Bonsoir à tous. À 70 ans, Renaud a connu de belles romances. Et surtout, il est retombé amoureux, il y a de ça quelques mois. Ce jeudi 20 octobre, c'est Paris Match qui dévoile le visage de l'heureuse élue, une brune avec laquelle il semble très complice. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité française et mondiale, basant sur les informations de plusieurs sites et media people. Nouveaux jours et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Quoi Neuf France. On commence. Il a 70 ans, et l'âme d'un adolescent depuis qu'il est tombé amoureux. Le chanteur Renaud a connu de belles histoires d'amour, notamment celle dans les années 1970, avec Dominique Chilichini, alors déjà mariée à l'acteur Gérard Lanvin. Devenue sa compagne, elle lui a donné une fille Lolita, née quelques jours après le mariage des amoureux. Après, il y a eu aussi Romane Serda, auteure et musicienne qui a partagé sa vie avant que la fin de leur idylle ne soit gâchée par l'alcoolisme du chanteur. Une addiction dont il est soigné. Et s'il va mieux, il est aussi amoureux, comme il l'a confié au JDD le 8 mai dernier. Et ce jeudi 20 octobre, c'est Paris Match qui dévoile le visage de l'heureux élu. Il est tombé raide d'une femme plus jeune que lui, comme rapporté par nos confrères, qui publient les photos du duo. C'est le 8 mai dernier que Renaud évoquait pour la première fois cette rencontre inattendue, qui semble avoir bouleversé sa vie. L'interprète de Mistral gagnant avait ainsi révélé au sujet de tomber amoureux. Eh oui, ça m'arrive encore, pas plus tard que la semaine dernière. Mais elle veut qu'on reste copains. C'est déjà bien, l'amitié, c'est plus fort que l'amour. C'est donc une belle histoire d'amitié qui semble être née entre eux. Mais Renaud ne désespère pas, et a même changé ses plans pour rester près d'elle. Et sur les photos, la brune et le chanteur semblent déjà très complices. Le père de Lolita, Emmalon, a en effet décidé de rester à Paris, ce qui semble être lié à ce coup de cœur. Quand il annonce à sa maison de disques que, finalement, il se sent mieux à Paris que dans le sud, tout le monde comprend que quelque chose a changé, apprend-on de nos confrères de Paris Match. Il n'est pas retourné à l'Isle-sur-la-Sorgue parce qu'il espérait que cette histoire marche, a ajouté un proche du chanteur. C'est désormais donc Montparnasse que l'on peut voir Renaud évoluer, et l'amour l'a visiblement bien changé. Changement de coupe, barbe taillée, kilos en moins, peut-on lire dans le magazine. Un nouvel homme. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Nous souhaitons nos meilleurs vœux de rétablissement au chanteur Renaud. Retournez vite. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À bientôt.